Exosphère est un jeune ensemble vocal professionnel mixte composé de 16 chanteurs franco-allemands. Cette double nationalité est très importante pour moi du fait d'avoir fait mes études de chef de chœur en partie en France et en Allemagne, mais aussi du fait que le chœur soit basé à Strasbourg, qui est un carrefour entre ces deux pays. Un autre axe important dans l'identité du chœur est le lien avec l'astronomie. Le chœur s'appelle Exosphère, qui est la dernière couche de l'atmosphère. Alors pourquoi l'astronomie? Tout simplement parce que c'est une grande passion qui continue encore aujourd'hui de nourrir tout mon travail musical. Un point qui est très important pour l'ensemble, c'est de jeter des ponts entre les sciences et la musique, notamment entre la musique et les arts numériques. Cet été, nous avons enregistré les litanies à la Vierge Noire de Francis Poulenc dans la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour, lieu de son écriture. Cet enregistrement est tout particulier, tout d'abord parce que c'est la toute première fois qu'on enregistre ces litanies dans le lieu de leur composition, mais aussi parce qu'il s'agit d'un enregistrement vidéo en réalité virtuelle qui a été pris par JPB Audiovisuel. Ce projet a pu voir le jour grâce au concours de différents acteurs, notamment France Festival, qui a lancé toute la démarche, le Festival de Rocamadour et EDF. Un autre point important pour Exosphère, c'est qu'il s'agit d'un chœur à géographie variable. Ce que j'entends par là, c'est que sa relation toute particulière à l'espace veut que nous donnons des concerts dans des lieux tout à fait habituels, mais nous souhaitons aussi musicaliser plein de lieux, aller vers des lieux tout à fait insolites et faire de la planète Terre une potentielle scène musicale. Dans notre volonté de proposer de nouvelles formes de concerts, Exosphère a donné un programme en mai 2017 aux Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller. Un programme tout particulier parce que celui-ci se passait sous un dôme numérique sous lequel étaient projetées des images à 360 degrés, des images de l'espace, avec le public allongé au sol sur des matelas et le chœur Exosphère qui entourait le public pour un projet plurisensoriel et totalement immersif. L'idée de ce projet était d'emmener le public en voyage. On partait des Dominicains pour terminer dans les étoiles avec des pièces de compositeurs du XXIe siècle qui évoquaient toute la poésie de l'espace. Ce projet a eu un tel succès et a tellement été important pour nous que nous souhaitons tout d'abord le reproposer au public strasbourgeois, mais aussi à l'ensemble de la région Grand Est. Il se construit autour d'un partenariat réunissant Exosphère, mais aussi l'Observatoire astronomique de Strasbourg qui nous accueillera dans ses jardins et le Planétarium de Strasbourg qui s'engage à travailler avec nous pour la réalisation de ce projet. Ce projet nous tient particulièrement à cœur car il s'agit d'une première mondiale, mais aussi et surtout parce qu'il transporte et touche le public aussi bien que les artistes.